Dès que tu as fini les vocalises, ça y est, t'es rentré dedans. Ah, ouais, ouais. Ah, bah oui, mais enfin, ce moment avant, c'est tout commun. Et puis l'acoustique, quand même, c'est quand même pas super confortable. Bonjour. Ah oui. Thierry Kahn, c'est un ami, et j'étais un ami de son père aussi. Alors, nous étions au conservatoire de Paris, sous Maître Fauveau, comme professeur, et le père de Thierry était au conservatoire avec moi. Alors, j'ai connu tout jeune Thierry, tout jeune, et j'ai toujours admiré, et j'ai eu l'occasion de faire plusieurs télévisions avec lui, et des concerts, notamment dans le parc de Ménilmontant, tous les deux. C'est un très beau souvenir, et c'est un trompettiste extraordinaire, extrêmement chaleureux, et qui joue très piano, qui avec beaucoup d'émotion. Et vraiment, j'ai été très, très, très heureux de l'entendre, et à chaque fois que j'ai l'occasion de l'entendre, je viens. Et aujourd'hui, c'était formidable, il a joué magnifiquement bien. Mais évidemment, n'oublions pas non plus Michel Becquet, le trombone, qui est formidable, et tout son ensemble, qui était absolument superbe. Mais Thierry, je l'embrasse très fort, parce qu'il joue tellement bien de la trompette. Il joue de la trompette comme je l'aime. Tu sais qui est Bernard Thomas? Mais c'est lui qui m'a fait faire mon premier concert en solo à Paris il y a quelques années. Ouais. Jean-Claude est mon compositeur petit. Et avec qui on a joué le concerto de Jean-Claude Petit? Au Théâtre des Champs-Élysées. Au Théâtre des Champs-Élysées. De l'orchestration, moi j'étais dans mes petits souliers de te savoir là, parce que j'ai fait tous les. Ouais, t'as beaucoup écrit, mais dis donc, c'était quand même. Ça ressemble bien, ça. Merci beaucoup. À la prochaine. C'est un plaisir. Il y en aura d'autres. Salut Marcel. Ben oui, c'est pas une invitation de Gascon, il hein. Faut que tu viennes me voir. Hein. Alors, Lina, Marcel, bonsoir. Bonsoir. Vous assistez au spectacle de Thierry Kahn. Oh, oui. Alors, c'est qui pour vous Thierry Kahn? D'abord, c'est un ami de longue date. Et puis, j'ai eu la chance d'aller chez lui avec Caratini et Fossé à l'époque où on tournait en trio. Et puis, voilà, l'épicurien qu'il est, quand il vous reçoit chez lui, c'est un tel phénomène. Et il est encore plus incroyable quand il joue de la trompette, parce que c'est pas seulement de la trompette qu'il joue, il fait une musique formidable. Il est plein de délicatesse, plein de nuances, je veux dire, qui sont touchantes, qui sont vraiment d'un grand musicien, un énorme musicien.